Bienvenue dans cette randonnée au cœur des parutions africaines. Grosse frayeur lundi à Brazzaville, scène de guerre en pleine capitale, la plupart des administrations et commerces enfermés dans le centre-ville où des tirs à l'arme automatique ont été entendus, en provenance du quartier du 15 août, un quartier où résident plusieurs chefs militaires. L'armée congolaise tentait de déloger l'ancien secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité, le colonel Marcel Nsourou, condamné récemment par la justice congolaise dans son implication dans les explosions du 14 mars 2012 à Mpila. Le colonel Marcel Nsourou s'est rendu, Barassa 1, les dépêches de Brazzaville. Bilan de l'affrontement entre l'armée et la centaine de déserteurs et des miliciens à qui est la cause de l'officier congolais, 18 morts. Une chose est certaine, entre le président Sassou Nguesso et Marcel Nsourou, son ancien directeur des renseignements, le divorce est consommé. À propos de sa condamnation, l'officier crie à l'injustice et se répand dans la presse affirmant détenir des secrets sur des dossiers judiciaires pendants. Ce qui n'est pas certainement du goût du régime de Brazzaville. Jusqu'où ira cette guéguerre? Wait and see. Direction Alger, où le premier ministre français est en visite depuis lundi. La France veut demeurer le premier partenaire de l'Algérie, selon Jean Maquereau, comme le rapporte El Watan. Les relations de confiance tissées depuis un an entre la France et l'Algérie, selon le premier ministre Hérault, permettent d'ouvrir un climat apaisé, de nouvelles perspectives. Peut-on lire sur le site du journal? Et l'officiel français d'inviter l'Algérie à investir en France sur la base d'un partenariat plus engagé à travers le concept de colocalisation qui consiste à encourager les entreprises françaises à s'installer en Algérie tout en préservant leurs activités en France. Une année de normalisation des relations France-Algérie et déjà une dizaine d'accords de coopération dans le cadre des activités du comité intergouvernemental. C'est ce qu'on appelle une réussite diplomatique à l'actif de la gouvernance Hollande. La Tunisie célèbre ce mardi le troisième anniversaire de la révolution du jasmin à Sidi Bouzid, épicentre des événements qui ont conduit à la chute de Ben Ali. Trois ans après, l'euphorie a laissé place à la désillusion. La Tunisie est engluée dans une crise politique et pas sûr que la récente nomination d'un nouveau Premier ministre fasse bouger les lignes. Le site tunisien numérique annonce les couleurs. Les festivités du 17 décembre se feront sans Moncef Marzouki. Le président tunisien a informé ses proches qu'il ne participerait pas à ces activités comme il avait fait l'année dernière. Certainement, les stigmates de l'accueil peu chaleureux à lui réserver l'année dernière dans le bastion de la Révolution y sont pour quelque chose. En tout cas, le ministère de l'Intérieur a été intransigeant dans son communiqué. Aucun organisme interdit ne doit participer aux festivités. Allusion à peine voilée à Ansar Sharia, le groupe islamiste radical, qui annonce qu'il compte marquer sa présence. Elle est toujours présente dans les cœurs des Togolais et des Africains. 40 ans après son décès accidentel en 1973, Bella Bello, c'est d'elle qu'il s'agit. Tout le Togo était mobilisé le week-end dernier pour lui rendre un hommage. Africa TV se joint aux millions de mélomanes sur le continent pour saluer la mémoire de l'artiste. À très vite sur Africa TV.